Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Anae. Son papa. Et aujourd'hui, on joue à un jeu qui s'appelle La Vallée des Vikings. Alors comme vous pouvez le voir, on a la version allemande, Tal der Wikinger, parce que nous sommes au Japon et que donc seule la version import allemande est disponible. Alors c'est un jeu qui a été imaginé par Wilfried et Marie Faure, qui a reçu le Kinderspiel des Jahres, donc ce grand prix pour le meilleur jeu enfant de la sélection allemande, et puis qui a quand même une portée assez mondiale. C'est un jeu qui a été illustré par Maximilian... Alors attendez, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Par Maximilian Mindsold. Ça se joue à partir de 6 ans, pour des parties de 15 à 20 minutes, sur le principe du bowling. Alors vous allez voir que c'est très très bien, on va s'amuser à faire tomber des tonneaux. Et au-delà de cette dimension juste lancer la boule pour faire tomber les tonneaux, il y a une vraie dimension stratégique pour un jeu pour les plus jeunes, et ça c'est quelque chose qui est vraiment à souligner. Donc c'est un jeu qui se joue de 6 à 99 ans pour 2 à 4 joueurs. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie, et après on va vous dire ce qu'on en pense. Je vais gagner. Alors, aujourd'hui, on va jouer à la Vallée des Vikings. Oui. C'est un jeu ABBA qui a reçu le Kinderspiel des Jahres, donc le prix le plus prestigieux pour les jeux enfants. Oui. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez voir sur le plateau qu'il y a les tonneaux, qui sont en fait les tonneaux des différents joueurs. Il y a aussi des jetons joueurs qui sont placés le long au bord de la jetée. Ils vont se déplacer le long de la jetée, comme ça. Il y a aussi des drapeaux que l'on va placer dans les encoches qui sont disponibles ici. Ça va permettre de récupérer des bonus, comme par exemple des pièces, aller voler des pièces à d'autres joueurs, et ainsi de suite. Il y a aussi évidemment la méga boule, la boule qui va permettre de faire tomber les tonneaux. Et quand on fait tomber les tonneaux, on va pouvoir déplacer les différents jetons joueurs. Et pour lancer cette boule, on va devoir utiliser le lanceur de boules. Chaque joueur a un magnifique bateau devant lui, avec au départ une pièce. Alors le jeu est très simple, alors on va jouer à 3, donc ça veut dire que le quatrième joueur, qui est le bateau rouge ici, n'est évidemment pas humain, mais c'est nous qui allons le faire jouer. On va pouvoir déplacer son jeton. Je vais d'abord répartir les différents drapeaux. Tiens Lana, tu peux mettre les drapeaux. Donc le premier drapeau c'est 3 pièces, le deuxième 2 pièces, le troisième c'est le jeton bleu, le quatrième c'est le jeton jaune, une pièce, le jeton rouge, le jeton vert, et 4 pièces. Alors vous allez voir, c'est assez drôle, à son tour de jeu, le joueur va donc lancer la boule avec le lanceur de boules, va faire tomber des tonneaux, et les tonneaux, les couleurs de tonneaux qui sont tombés, enfin les tonneaux qui sont tombés, indiquent la couleur des personnages que l'on va pouvoir déplacer, sachant que deux jetons joueurs ne peuvent pas être au même endroit. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'on gagne les bonus? C'est très simple, dès qu'un joueur sort, est expulsé de la jetée et tombe dans l'eau, les joueurs qui sont encore le long de la jetée vont pouvoir bénéficier des bonus. Donc comme vous pouvez le voir, 3 pièces, 2 pièces, ici vous allez voler une pièce à un joueur, mais si c'est votre jeton qui est indiqué ici, enfin qui est posé ici, vous allez pouvoir prendre un jeton, à une pièce à tous les joueurs, c'est super balèze. Et ainsi de suite, jusqu'au bout où vous pouvez bénéficier de 4 pièces, qui est probablement le meilleur bonus. Allez, c'est parti, on y va. Dès qu'il n'y a plus de pièces, le jeu s'arrête, et on compte celui qui a le plus de pièces, celui qui en a le plus, gagne la partie. Comme c'est incroyable. Allez, c'est parti, je vais commencer. Alors, je peux essayer de faire tomber un maximum de tonneaux. J'en fais tomber 2, je fais tomber le vert et le rouge, sachant que le vert, c'est moi, et le rouge, c'est... personne. Alors le jeton vert, je vais le mettre ici, et le jeton rouge, puisqu'il ne peut pas être sur la même zone, je vais le mettre ici. Et ensuite je replace les tonneaux comme je le souhaite. Donc je vais mettre ça ici parce que j'ai envie que le rouge me gêne, et je vais mettre ici. Et on va voir Takako qui est une très grande professionnelle du lancer de boules. Yes. Voilà. Donc le jaune et le bleu. Alors vas-y. Tu peux mettre le jeune ici, c'est très bien. Se lever parce qu'elle pense qu'elle joue mieux quand elle se lève, alors qu'en fait elle rate une fois sur deux, mais c'est pas grave. C'est à partir de quel âge ce jeu? Attends, rappelle-moi. À partir de 6 ans. Ah ben voilà, premier échec critique. Allez, vas-y. Fais-nous rêver.
Oh, mais c'était magnifique! Du coup, tu bouges bah, seulement Maman. ton maman, ouais, qui gagne plus qu'une pièce, du coup. Alors, vas-y, replace le tonneau jaune, où tu veux. Tu commences ici? C'est quoi Il y a comme ça? une bourrine, on va voir ça. En général, quand tu fais la bourrine, tu rates, Oh, mais je veux mais... Alors, tu bouges seulement le bleu. Quel talent! Alors, vas-y, replace le bleu. Attends, comment je peux faire ça? Parce que j'ai pas envie de bouger le vert. Tu peux me faire bouger le vert, hein, Ah, mais si je tu vais faire veux. bouger que le rouge, c'est nul. À part si je tape le rouge sur le côté ici pour faire tomber le jaune. Je vais essayer. Ah, c'était raté. Tu peux refaire. Ouais, heureusement. Ah, j'ai raté. Bon, bah c'est pas grave, j'avance le rouge ici et je place le rouge ici. Vas-y, est-ce qu'il y en a un qui va sortir de la jetée à un moment? On n'est pas très rapide, hein. Alors, le rouge et le bleu. Alors, tu C'est bouges bon, d'abord tu vas lequel? sortir au début? Peut-être. Ah, mais tu gagnes 4 pièces. 4 pièces, c'est pas mal. Si tu te fais tomber, si tu te fais pas tomber. Bah oui, t'es obligé, t'as raison d'avancer. Ouais, je vais avancer le rouge Et le ici, bleu. le bleu ici. Alors, replace le bleu à un endroit où elle va se faire sortir. Ouais, c'est Allez, ça. Lanou! Et Sors! Sors! puis, La voilà. clepsydre! Allez, fais-nous rêver! Tu vas rater, ça va être terrible. Le rouge! Ah mince! Ah, vas-y, pose le jeton où tu veux. Ah, si je fais sortir le rouge, tu gagnes 4 pièces. Tu veux gagner 3 pièces? Moi seulement C'est une pièce. magnifique! Non, je pense qu'avec le rouge, je peux te faire tomber. Ah! Il n'y a que le rouge qui sort! Donc, Ah, moi, je gagne 3 pièces. j'ai jamais gagné à ce jeu. Une, deux, trois. Là, on a gagné 4 pièces. Mais une fois, j'ai fini à Ah oui, mais à 0. chaque fois qu'on fait des vidéos, tu gagnes. Ça m'énerve. Et Une toi, une pièce. pièce. Et je vais replacer le rouge. Je vais replacer le rouge ici. Ah, il reste plus que 3 pièces dans le jeu. Et ah, oh, mince, parce que là, il faut que je réussisse à faire bouger le jaune et le rouge. Et le vert. Mais sans faire sortir le vert. Et le bleu, Ah, le ça va bleu. être impossible, attends. Jaune. Bleu. Ah, zut, le rouge seulement. Le rouge et Non, le le bleu. bleu. J'avance le bleu ici. Maman, fais Attends, tomber bouge, le bouge, bouge, vert. bouge. Je vais mettre le rouge ici. Et le bleu ici. Vas-y. Vas-y. Lana, pas de pression. Ah Demande. mince. Bon, j'imagine que je sors en premier. Tu fais sortir Ouais. moi? Bah évidemment. Alors celui qui est le plus avancé sur. Donc, le rouge me Rouge. pique une pièce. Ensuite. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bon, pas tout le monde. Tu gagnes une pièce et Lana tu gagnes du coup que deux pièces. Et on vérifie combien qui a le plus de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non! Trois pièces. Et le rouge en a 4. Ah, victoire! Magnifique! Une fois, j'ai fini avec zéro! Ah, oui, c'est vrai. Et voilà, avec cette défaite lamentable de Lana, hein, il faut le préciser. Donc, nous allons vous dire tout de suite ce qu'on a pensé de La Vallée des Vikings. C'est un jeu que pour ma part, je conseille très 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 vivement. Je pense que c'est un des meilleurs jeux enfants auxquels j'ai joué cette année. Pour plusieurs raisons, et notamment le fait que, comme je le précisais un peu dans l'introduction, c'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans. Mais qui n'est pas juste un jeu de dextérité où on lance la boule pour faire tomber les tonneaux. Il y a plusieurs points stratégiques à prendre en compte, notamment le placement des tonneaux à la fin de son tour, quel tonneau on va renverser, parce que lancer la boule n'est pas très difficile, à part pour toi qui rate de temps en temps, et maman, et puis moi, plus rarement. Il y a toute cette Allez. dimension sur le déplacement des pièces des personnages qui vont avancer le long de la jetée pour essayer de récupérer le meilleur trésor, la meilleure récompense. Et c'est un jeu que j'ai trouvé brillant pour les enfants, dans la mesure où ce n'est pas qu'un jeu enfant, c'est un jeu auquel on peut jouer avec des adultes, les parents évidemment, mais qui apporte aussi beaucoup beaucoup de plaisir aux parents et pas juste du plaisir aux enfants. Alors dis-moi pourquoi tu aimes le jeu, toi? En fait, ça prend un peu
de place. Ah oui, ça prend beaucoup de place parce qu'il y a énormément de matériel. Et là aussi, c'est un point très positif, notamment avec ces dracars qui sont juste superbes. Alors, il faut les monter, évidemment, ils sont pas juste comme ça. Mais c'est vraiment magnifique au niveau du matériel, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux que le thème, c'est bowling. Ah oui, bah c'est, je pense que c'est la première fois qu'on voit un jeu comme ça, en fait, où la mécanique du bowling est intégrée à un jeu qui a une dimension différente. Ouais. Et après, j'aime bien cette espèce-là. Ah, les jetons ? Les jetons. Oui, la façon dont tu vas les placer dans les trous. Ouais, parce que pour faire avancer la couleur que tu vas avancer, il faut renverser le bon tonneau. Ouais. Et c'est vraiment une dimension stratégique intéressante dans le jeu, je pense. Il y a de la stratégie. Oui, c'est pas juste un jeu de chance. Si on réfléchit pas un peu à ce qu'on fait, on risque pas vraiment de gagner. Alors, j'ai trouvé que c'était malin de considérer que le jeu ne se jouait qu'à partir de 4 joueurs. Même s'il y a 3 joueurs, on peut y jouer, mais avec un bateau neutre qui pourrait gagner la partie si les joueurs se tirent un peu trop dans les pattes, en fait. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter ? J'aime bien la pièce. Ouais, d'accord. D'accord. Parce que ça fait du bruit, c'est joli, c'est jaune, c'est du plastique, c'est bien. Non, bon, alors, moi, je voudrais rajouter quelques petits trucs, quelques petites choses. Les composants, ils sont très bien. Les composants sont de très grande qualité. C'est une pléthore de composants. C'est assez incroyable. Je pense que le jeu mérite entièrement le prix qu'il a reçu, le Kinderspiel Bessiaros. C'est probablement, comme je le disais tout à l'heure, un des meilleurs jeux enfants. Peut-être le meilleur jeu enfant auquel j'ai joué cette année, et il risque de rester très longtemps dans notre collection parce que il se joue même entre adultes et c'est vraiment quelque chose de très, c'est quelque chose de très très positif, je trouve, pour un éditeur comme ABBA qui fait principalement des jeux pour enfants, d'avoir des jeux de sa gamme qui sont jouables aussi par les adultes sans aucun ennui, avec beaucoup de plaisir. Allez, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Lana et son papa. Allez. Allez. Salut. Salut.